Dans l'actualité également, le mystère qui s'épaissit encore au lendemain de la mort d'Alexeï Navalny, principal opposant de Vladimir Poutine. Sa famille accuse les autorités russes de cacher son corps pour ne pas avoir à révéler les causes de sa mort. Le maître du Kremlin chercherait-il à dissimuler son crime? Il est en tout cas la cible de toutes les critiques, y compris dans son propre pays. Ignacio Bornassin avec à Moscou, Jérôme Garraud et Gilles Parot. La mère d'Alexeï Navalny cherche le corps de son fils. Les autorités russes avaient affirmé que sa dépouille était ici, dans la morgue, à quelques kilomètres de la prison où il est mort. Mais le corps de l'opposant à Vladimir Poutine reste à cette heure introuvable. Pour l'instant, nous ne savons pas où il se trouve. Nous demandons aux autorités russes que le corps d'Alexeï soit immédiatement rendu à sa famille. Récupérer le corps pour élucider le mystère autour de la mort de Navalny. Depuis deux jours, ses sympathisants se rassemblent partout en Russie. Certains accusent directement le Kremlin. Poutine est le tueur de Navalny, peut-on lire sur la pancarte de cet activiste à Moscou, immédiatement interpellé. Poutine est un traître pour notre pays. Son pouvoir est illégitime. Personne ne l'a élu. Plus de 200 manifestants ont déjà été arrêtés lors de ces rassemblements. La police n'accepte aucun slogan hostile au pouvoir. Seul le recueillement en silence est toléré. Ce soir encore, des Russes continuent de venir dans différents endroits de Moscou pour se recueillir, comme ici. Ces images de rassemblement, tout comme la mort de Navalny, sont encore largement éclipsées par les médias officiels. Navalny représentait notre espoir. Je n'ai plus les mots. Alexeï Navalny incarnait le rêve d'une autre Russie pour une partie de la population. Ses sympathisants invitent les Russes à poursuivre son combat. Les troupes de Vladimir Poutine poursuivent dans le même temps leur offensive en Ukraine. Cette nuit, ils ont repris la ville d'Avdiivka, profitant du retrait des forces ukrainiennes qui déplorent un manque cruel de munitions.